Alors nous intervenons dans chacune des régions puisque nous avons 8 implantations en région française en tant que promoteurs, logement, commerce, bureau. Pour le commerce, nous faisons donc des opérations à la fois mixtes de centre-ville mais aussi périurbaines avec du commerce pur ou parfois mixte également. Notre objectif majeur, c'est que nos opérations, toutes nos opérations participent réellement à l'attractivité du territoire et au développement de ces territoires en partenariat avec les collectivités locales. Alors, pour ce qui concerne le commerce actuel tel que nous le développons, de plus en plus, nous intégrons du loisir, de la restauration, c'était déjà le cas avant, mais parfois également du sport, puisque beaucoup de commerces, nos opérations sont liées à un équipement sportif, ou même en centre-ville, d'ailleurs, on voit bien que le loisir et le sport s'intègrent parfaitement bien. C'est le cas, par exemple, à Salon. C'est également le cas sur le projet de Chalon, de Saint-Chamond, pardon, dans l'agglomération de Saint-Étienne, un projet qui s'appelle All in One, Nova Siri. C'est une friche industrielle que nous restructurons complètement en un vrai quartier de ville. Mais c'est également le cas pour le projet qui tourne autour du loisir, du sport et de la culture à Cergy-Pontoise, qui s'appelle Arène Park, qui fait 20 000 m2, à côté d'un décathlon et également, surtout, à côté du Centre national de hockey sur glace que nous construisons pour la Fédération française de hockey, l'équivalent d'un Marcoussis pour le hockey sur glace.